se era presente ontem, né? O senhor Mazaie, ele se dispôs a fazer um diálogo com a turma do mestrado. A gente tinha pensado em fazer uma atividade um pouco mais informal, que a gente pudesse dialogar. A ideia, então, dessa manhã é um diálogo com ele. Ele vai fazer alguns comentários sobre o que ele apresentou ontem, alguns comentários bastante rápidos, algumas ideias, alguns elementos que ele queira retomar em alguns minutos. E em seguida, né, ficaria aberto, então, se vocês tivessem questões ou tivessem colocações a fazer, que podem ser relacionadas à apresentação de ontem, ao que ele vai colocar aqui, ou em relação à questão do desenvolvimento rural, questão da problematização do desenvolvimento rural, a questão da própria disciplina, de elementos da disciplina, ou da visão, né, que ele tenha do desenvolvimento rural em termos mais amplos. Eu quero lembrar para vocês que o professor Mazoyer tem uma grande, imensa experiência em projetos, diagnósticos, avaliações de políticas públicas de desenvolvimento rural. Ele foi professor da cátedra de desenvolvimento rural do Instituto Nacional Agronômico, que hoje virou INAPG, que atualmente chama Agroparitec. E ele, na longa carreira que ele teve, né, ele sucedeu um agrônomo bastante conhecido na Europa, na França, talvez vocês conheçam, né, que é o René Dumont. Foi talvez um dos primeiros agrônomos que denunciou, né, todas as derrapagens, vamos dizer assim, do desenvolvimento rural, dos grandes projetos de desenvolvimento no mundo. E ele participava da equipe do René Dumont e depois ele sucedeu o René Dumont na condução da Cátedra de Desenvolvimento Rural no INAPG, atualmente Agroparitec. Então ele viajou por muitos países do mundo, ele tem uma experiência muito grande de projetos, de avaliação. Eu acho que com a maturidade que ele tem um grande recuo em relação ao que é o desenvolvimento rural, o que pode ser o desenvolvimento rural, como a gente deve chegar ao desenvolvimento rural. E a ideia também dessa manhã é que vocês aproveitem, se vocês têm alguma dúvida, alguma questão em relação a essa nebulosa que pode parecer um pouco, o que é o desenvolvimento rural, o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente está aqui, como é que deve se posicionar, será que existe o desenvolvimento rural? Bom, essa é uma questão que eu acho que agora vocês poderiam colocar se vocês tiverem interesse. Então a ideia é de uma primeira apresentação. Se vocês tiverem questões relacionadas à apresentação dele, vocês coloquem. Se vocês tiverem outras questões mais amplas, né, relacionadas à trajetória de vocês dentro do PGDL ou questões mais amplas, vocês também podem colocar ela. E ele, dentro da medida do possível, e que a tradução consiga acompanhar, né, porque outra questão, eu vou tentar traduzir as colocações dele. Né. Eu só vou pedir a gentileza que vocês sejam objetivos nas questões. Né. Não façam questões... como a gente viu ontem, né, questões, palestras, né, no Brasil, acho que os estrangeiros não têm essa, no Brasil a gente tem a mania de fazer questões palestras, a gente faz uma palestra e às vezes esquece a questão, senão, ontem nós tivemos exemplo, né, palestras e sem questões no final, então se vocês puderem ser objetivos e colocar as questões, que vocês inquietam, que vocês gostariam que reagisse, eu agradeceria imensamente e eu acredito que ele também. Certo? Vocês têm alguma questão sobre essa dinâmica? Então, de horário, a gente não tem horário, né? É o tempo que durar o nosso diálogo, o tempo que vocês acharem, o tempo que a gente aguentar, o tempo que vocês tiverem questões, o tempo que ele suportar a gente também, o tempo que eu conseguir traduzir. Então, nós não temos nada rígido nessa nossa conversa. A ideia é que seja um diálogo, seja uma troca, seja questionamentos, respostas, opiniões, né? Vocês não são obrigatoriamente obrigados a concordar com o que ele quer dizer, podem questionar. Né? A ideia é aproveitar um pouco a experiência dele, aproveitar um pouco o olhar dele, todo esse acúmulo que ele tem, para se permitir, né, de dentro do possível, logo, ter um olhar sobre o desenvolvimento rural, sobre as grandes questões, né, que permeiam o desenvolvimento rural, os grandes projetos, as ações. Né? Eu acho que é isso. J'ai présenté un peu la dynamique de ce matin. Déjà, une petite présentation qu'on va faire là, de 4 minutes, juste pour quelques points que je voulais... Qui était hier soir à la conférence? Si, il me demande qui de vous était ontem de noite dans la palestra. Une. Deux. Deux.
Os outros estavam ali atrás. É. Ok. Les autres étaient avec lui ici. Peu importe. Parce que lui, il est méchant. Oui. Il est mauvais, il est un mauvais collègue. Et ben connaissé. Ouais. Ben connaissé. Ah oui. Ok. É. Oui. Gente, eu entendo, ele também entende as particularidades da vida final de semestre, sem problema. Lamento, mas não posso fazer, vou dizer mais do que lamentar, porque não, você não tem como estar presente aqui. Bom, e après, j'ai raconté um pouco, après ta petite apresentação, on va ouvrir as questions. Ok. E après, aussi, j'ai dit que s'ils ont des questions plus larges, oui. Sur ton expérience au niveau du développement agricole, niveau, ils peuvent aussi poser, parce que là, c'est des masters qui rentrent, qui sont. Hein, peut-être c'est la seule opportunité qu'ils vont avoir de jouer avec toi, d'une manière très tranquille, sans. On n'a pas d'horaire, j'ai dit qu'on est tranquille, tant qu'on veut, tant qu'on a envie. Jusqu'à midi, on a. Si on tient. Non, ce n'est pas la question, c'est ah, pour savoir. Midi, vous avez 3 heures devant vous. 2 heures et demie. 2 heures et demie, ok. Non, mais on peut faire des lumières, arrêter, après on peut commencer. Ouais, d'accord. Je vous ferai, donc, que a gente pode fazer uma primeira conversa, uma hora, faz uma pequena pausa, e depois se retoma, se for o caso, é mais tempo que vocês acharem adequado. Ok? Vocês têm alguma questão, alguma proposta, alguma... Algo que a gente poderia... Não? Tranquilo? Ouvir? Fale? Não, falando não posso ouvir, é de castigo, fazer agora, deixa de castigo. O mesmo castigo. A verdade é que nós decidimos fazer porque nós sabíamos que teria hoje de manhã aqui. Essa foi a opção. Não foi minha, foi dos alunos. Então tá. Ok. Aqui tem. Pode aumentar um pouquinho, tá? Muito quente. Tá quente? Tá. Tá tudo ligado, então? Pode ficar ligado. Vou ligar esse aqui então para dar uma. Bon, tu te mets pas devant l'écran. C'est très bien. Bon, oui, je vois, j'entends. Voilà, donc si vous êtes fatigué, parce que je sais que c'est lourd. Mais il est fatigué, clair. Je suis toujours fatigué, très bien. Je suis toujours cansé. Non, mais il va dire, c'est lui qui va dire, si je dois me changer pour toi. C'est vrai qu'il va gagner au niveau d'âge. Hein? Ok. Obrigado. Bon, ben, merci Levoix, merci à vous d'être ici, et bonjour. Bon, comme il y a une partie, dans la majorité n'ont pas été à la conférence hier, je vais juste rappeler quelque chose, quelques points essentiels. Je suis désolé pour ceux qui étaient là, mais... Je vais faire... Premier... Si on essaye d'analyser la situation agricole dans laquelle, et alimentaire dans laquelle on est, on verra que c'est une situation assez catastrophique. Mais on va le préciser au fur et à mesure. Il faut se souvenir que depuis la Seconde Guerre mondiale, de 1945 à 2013, deux tiers de siècle, la population mondiale a triplé. Et la production agricole, malgré les craintes qu'on avait en 1945, la production agricole a plus que triplé. 3,2, je crois. Multiplié. Bon. En majorité, cette augmentation de production, elle est due à l'augmentation des rendements.
E grande parte desse aumento da produção é devido ao aumento dos rendimentos agrícolas. 75% de l'accroissement de la production, c'est l'accroissement des rendements. 75% du crescimento da produção é devido ao aumento dos rendimentos agrícolas. C'est-à-dire les semences, les engrais, les produits phytosanitaires, etc. Fondamentalement. Seulement 15%, c'est l'accroissement des superficies cultivées sur la planète. Seulement 15% de cet augment est devido au augment des terres cultivées sur la planète. Et seulement 10%, c'est l'accroissement du nombre de récoltes chaque année. Seulement 10% de cet augment est devido au nombre de colheitas no ano. C'est-à-dire réduction des jachères des périodes interculture. Ou seja, redução dos períodos entre as culturas, okay. Períodos de pousio entre as culturas. Ça, il faut savoir. Comment on peut résumer cette histoire? Faut se souvenir qu'il y a d'abord eu, au lendemain de la guerre, aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Taïwan, une révolution agricole qu'on peut appeler comme ça, c'est la motorisation. La grande mécanisation qui économise la main-d'œuvre, qui réduit la main-d'œuvre, mais qui n'augmente pas tellement les rendements. Ce qui augmente les rendements, c'est la sélection, les engrais et les pesticides. Et cette réduction de main-d'œuvre n'augmente pas les rendements. Ce qui augmente les rendements agricoles après la Seconde Guerre mondiale, c'est les insecticides, c'est les adubos, c'est les insumos et les sémences sélectionnées. Et ça c'est. Ça s'est passé dans les pays industrialisés, développés, d'Amérique du Nord, de l'Europe du Nord-Ouest, qui sont des pays où prédomine très largement l'agriculture familiale. Et non pas une agriculture capitaliste à salariés. Au contraire, dans tous ces pays, en 1945, donc juste après la guerre, les alliés, les États-Unis, etc., les Anglais, ont imposé la réforme agraire. Dans ces pays, après la Seconde Guerre mondiale, les alliés, les vencedores de la Seconde Guerre mondiale, imposèrent une réforme agraire. Dans les pays où il y avait quelquefois des grands latifundiums, etc., latifundia. Grandes latifúndios, grandes áreas, grandes domínios, grandes propriedades agrícolas. En Allemagne, en Italie, au Japon, à Taïwan, en Corée du Sud. Então, na Alemanha, na Itália, na Coreia do Sul, no Japão, na Tailândia, não. Taïwan. Taïwan. Chine, insulaire. Insulaire. Ok. Donc ça, il faut que ce soit très très clair. Donc cette révolution agricole, elle s'est faite dans des exploitations familiales à un ou deux travailleurs familiaux. Donc il est dit que cette révolution agricole post-Seconde Guerre mondiale, la révolution verte, elle s'est faite dans propriétaires agricoles qui avaient un à deux travailleurs, un à deux personnes. Familiaux. Et actuellement encore, aux États-Unis et en France, par exemple, il y a en moyenne à peine un travailleur par exploitation. Então, ele diz, ainda hoje, se você olhar tanto nos Estados Unidos quanto na França, em média, as propriedades agrícolas têm, em média, um trabalhador. Okay. Pessoa trabalhando em cada propriedade agrícola. Donc, l'image que ça serait une agriculture capitaliste, elle est fausse. Então, essa imagem que a gente tem que a agricultura capitalista que fez a Revolução Verde é falsa. L'agriculture capitaliste à salariés, elle est au sud, c'est-à-dire ici. En Afrique du Sud, au Zimbabwe. L'agriculture capitaliste, com assalariados, elle est no hemisphère sul, ici no Brasil, no Afrique du Sud, no Zimbabwe. Et aujourd'hui en Ukraine, au Kazakhstan, etc. Ukraine, Kazakhstan. Donc ça, il faut savoir. Presque aussitôt, très vite après la guerre, on a lancé le même type de révolution agricole dans les pays chauds. Então, logo após a Segunda Guerra, além da Europa, dos Estados Unidos, também se lançou a Revolução Verde, os países com clima quente. Tropicaux d'agriculture
paysanne. Pays quentes tropicais et une agriculture camponaise. L'agriculture paysanne, c'est une agriculture familiale, mais qui a encore un taux d'autoconsommation est important. Donc, selon lui, l'agriculture camponaise est une agriculture familiale qui a une grande partie de son consommo devido à l'autoconsommo, à la production de l'autoconsommo. C'est-à-dire que c'est aussi une exploitation familiale, mais avec moins d'ouverture marchande. Okay. D'accord. Et on a appelé ça la révolution verte dans les pays donc tropicaux en développement avec agriculture paysanne. C'est, vous pouvez lire là? Vous pouvez tous lire là? Bon, à partir du milieu des années 70, vers 1975, il y avait une première grande envolée des prix. Donc, à partir de 1975, 1972, 1973, il y a un grand aumento des prix agricoles. Et toutes les techniques de la révolution agricole et de la révolution verte avaient déjà été expérimentées. Et en ce moment, toutes les techniques de la révolution verte et de la révolution agricole ont été expérimentées, ont été testées, ont été validées. Et donc, il était possible à un entrepreneur, à un investisseur, un fonds de pension américain, ou à Cargill, ou à Monsanto, ou à Volkswagen. À partir de maintenant, qualquer grande empresário, qualquer grande empresa, ou especulador international, Volkswagen, grande empresa, poderia então utilizar essa tecnologia para produzir. Ou même à un latifundiste brésilien. Ou mesmo um latifundiário brasileiro. S'il a beaucoup d'argent, de prendre toutes les techniques de la révolution agricole et de la révolution verte. Donc, à partir de 1972-1973, un grand latifundiário, un grand propriétaire, un grand investisseur pourrait prendre toutes ces techniques de la révolution verte et utiliser elles. Qui sont expérimentées maintenant au nord et au sud. Qui agora sont déjà expérimentées, validées, tant au nord. Et qui sont disponibles. Il y a des agronomes et des techniciens agricoles partout dans le monde qui sont capables de monter une exploitation agricole de 10 000 hectares. À partir de maintenant, vous avez agronomes, técnicos agrícolas, ingénieurs qui sont com essa tecnologia dos quatro cantos do mundo, que podem montar uma propriedade agrícola rapidamente de 10 mil hectares. Avec un tractoriste et un tracteur, chaque 100 hectares. Com um tractorista e um trator para cada 100 hectares. Et puis avec un paquet de technologies qui permet de faire 5 tonnes de blé par hectare en rendement ou 3 tonnes de soja, etc. Uma tecnologia que permite a ele produzir 5 toneladas de trigo por hectare ou 3 toneladas de soja por hectare. Et si ces investisseurs en tout genre trouvent de la terre beaucoup moins chère qu'aux États-Unis ou en Europe. Et si ces investisseurs, né, vamos dizer assim, eles encontram terra disponível mais barata que nos Estados Unidos e na Europa. En Europe, il faut, et aux États-Unis, il faut payer la terre en rente par hectare, on dit rente, fermage par hectare. Il faut payer, aujourd'hui, à l'époque c'était des prix différents, il faut payer 300, 400, 500 dollars par hectare. Et par an. D'accord. Par exemple, pour se arrendar un hectare de terre en Europe, vous allez payer 300, 400, 500 dollars par hectare par an. Et on peut trouver, je pense, en Argentine et au Mato Grosso, des terres pour un prix, je ne sais pas, 100 dollars maximum par hectare et par an. Parfois même presque rien. C'est le prix, du défrichement. Ok? Et on peut trouver aussi des tractoristes à 3 ou 4 dollars par jour de travail. Et pode-se também encontrar tractoristas, né, qui gagnent 3, 4, 5 dollars par jour. Alors qu'aux États-Unis, en Europe, ça coûte 100 à 200 dollars par jour de travail. Quand que nos États-Unis, né, si vous contratez un tractoriste, il va coûter 100, 150, 200 dollars par jour. Sauf si c'est des travailleurs mexicains clandestins. Ben. Salvo, né, si vous pouvez prendre les travailleurs clandestins mexicains. Ok. C'est certain. Et donc, il y a une espèce de délocalisation. Donc, ce qu'il est chamant l'attention, c'est que ça s'appelle une délocalisation. De la révolution. Attends, hier, on disait que ce mot délocalisation. Oui, mais on va expliquer. Qu'est-ce que la délocalisation? Transfert du modèle. Ah,
Alors, transférer, c'est un modèle de la révolution agricole des pays tempérés, de la révolution verte des pays chauds. Então, que é a delocalização? Então, você, então, que é a delocalização? É a transferência, então, dessa revolução verde dos países de agricultura temperada aos países de agricultura quente. Dans les pays... Essa mesma agricultura, esse modelo de agricultura, oui. Isso se chama... Techniquement. Techniquement, c'est le même modèle. Vous dites comme vous voulez. L'essentiel, c'est de comprendre et un jour, vous trouvez le mot, quoi. Mais on n'est pas obligé de trouver le mot aujourd'hui. C'est le transfert, de, oui, en économie politique, quand vous prenez un modèle d'industrie américain le plus avancé et vous allez faire la même usine en Chine, avec de l'argent qui vient de... On appelle ça délocalisation. C'est quand vous prenez une usine, par exemple, une fabrique aux États-Unis, et vous transférez cette fabrique entière pour la Chine. Délocalisation du modèle technique. Tu vas utiliser une main-d'œuvre chinoise, tu vas utiliser la matière-prime chinoise, tu vas utiliser et tu baisses les coûts. C'est un phénomène de grande amplitude en Europe, aux États-Unis et dans le Brésil. Alors parfois, avec fermeture de l'usine américaine. Seguidamente com o fechamento da usina nos Estados Unidos, mais pas forcément. Mas não necessariamente. Ok, donc c'est un transfert du modèle de la révolution agricole et de la révolution verte dans des pays de grands domaines à bas prix de la terre et à bas salaire. Ele está falando então é uma deslocalização da revolução agrícola e da revolução verde para países com baixos salários e com grandes áreas, grandes fazendas, grandes propriedades, grandes domínios. Et donc on va obtenir les mêmes marchandises agricoles pour un prix qui est à peu près la moitié então, du coût de production américain ou européen. Nous allons obtenir pratiquement la même mercadorie, le même produit agricole, à un prix bastante inférieur, à un coût bastante inférieur. On peut produire une tonne de blé en Argentine à $100 la tonne. Même moins. En Argentine, une tonnellade de trigo à $100 la tonnellade. Et même en Ukraine, on parle de 50, $70 la tonne. En Europe, aujourd'hui, ils parlent que en Ukraine, tu peux produire une tonnellade de trigo déjà à 50, $100 la tonnellade en Ukraine. Le plus performant des agriculteurs américains ou européens produit à $120, $130 la tonne. Les plus performants, les meilleurs agriculteurs qui utilisent la révolution verte en Europe et aux États-Unis produisent une tonnellade de trigo à $120, $130 la tonnellade. Et le moins performant, performant c'est 250 à $300 la tonne. 250 à $300 la tonnellade. Et un paysan brésilien ou africain qui travaille à la main, qui cultive un hectare maximum, qui produit une ou deux tonnes, si vous voulez qu'il gagne $3 par jour, et il produit une tonne... Attends, je ne sais pas. Si vous avez un congolais africain qui produit avec les mains, il produit une tonnellade par hectare, il peut cultiver un hectare. On attend que ça finisse. C'est rapide. Bon, un paysan qui travaille à la main, qui cultive un hectare sans engrais, sans pesticides, etc., qui produit une tonne dans son année, qui a donc pas beaucoup de machines à payer, il a une machette, bon, pas beaucoup d'intrants, pas d'engrais, pas de pesticides, mais quand même il a des semences. Alors mettons qu'il produit une tonne de grains, semences déjà déduites. Il produit net une tonne de grains. Net. Okay. Si vous voulez qu'il gagne $3 par jour, il faut lui payer sa tonne $900. Si vous voulez que ce camponais africain qui produit une tonnellade de hectare gagne $3 par jour, c'est facile à comprendre. Plus 365 jours dans l'année, etc. Ok. Et comme on va la lui payer au prix international, qui est le prix de revient des plus compétitifs, enfin, des 10% les plus compétitifs. Oui. Et il va, au lieu de gagner $3 par jour, il va gagner $3 par jour divisé par 10,
il va gagner 0,3 dollars par jour. Donc, ce japonais ne va pas gagner 3 dollars par jour, il va gagner 0,3 dollars par jour. Et le prix qu'il va vendre, le prix, donc, il va concurrer avec le prix international. Donc il ne va même pas essayer d'accéder au marché, il va juste faire un peu d'autoconsommation. Donc, évidemment, ce agriculteur ne va pas tenter de colocar son produit, ou dire un excédent pour colocar no mercado. Il va no máximo tentar produzir o que ele precisa para comer. Produire pour vendre à 0,3 dollars par jour, ce n'est pas la peine. Produzir para vender a 0,3 para ganhar 0,3 dólares por dia não vale a pena. Mas por remplacer o que ele aurait acheté, que aurait été un peu plus cher, deux fois plus cher ou trois fois plus cher, ça marche encore à peu près. Suficiente para vender para poder pagar aquele pouco que ele gastou. Voilà. Ele precisa comprar fora. Comprenez? Il produit pour lui parce qu'il aurait pour acheter sa nourriture, il l'aurait payé plus cher, deux ou trois fois plus cher. Donc, mettre un paysan sous-équipé, peu productif, très peu rentable, en compétition avec le marché international, c'est en fait le mettre hors marché. C'est le condamner à la pauvreté, à la faim et à l'exode. Ou au mieux à une agriculture de subsistance complètement limitée, qui ne peut pas investir, pas progresser, etc. Ça va? C'est pire que ça quand une tonne de blé ou de riz, de brisure de riz d'Asie du Sud-Est, on dit, arrive à Dakar à 100 dollars la tonne. Quand une tonne de riz arrive à Dakar à 100 dollars la tonne. Une tonnellade de farelo, de brisure. Oui, enfin de riz bas de gamme. De arroz de baixa qualidade. Chega em Dakar, à 100 dollars la tonne. Les commerçants de Dakar, ils ne vont même pas chercher une tonne de riz chez les producteurs de riz du sud du Sénégal, de Casamance, ils ne vont pas la chercher parce que le coût de collecte plus le coût de transport, c'est supérieur au prix de la tonne importée. Les commerçants de Dakar du Sénégal ne vont même pas chercher ce arroz junto aux producteurs locaux de Casamance. Porque ele sabe que quando eles forem comprar, os produtores locais vão querer vender esse arroz mais caro que 100 dólares. Então, ele não vai nem tentar buscar, ele vai pegar esse arroz a 100 dólares que chega, vai começar a tirar. Le prix payé au producteur est nul, en fait. Na verdade, o preço pago aos produtores, nesse caso, nessa situação, é nulo, é zero. Personne ne vient chercher une tonne de riz en Casamance. Ninguém, nenhum comerciante vai buscar o arroz na Casamance, porque... C'est plus cher d'aller la chercher que d'acheter la tonne à Dakar. Donc la mise en concurrence libre-échangiste des produits agricoles à partir de 1980 environ. Donc cette situation de libre commerce à partir de 1990, ça a comme résultat d'exclure la majorité des paysans du monde du marché, les priver de revenus monétaires, donc les priver de possibilités d'investissement, acheter des outils, acheter des semences, des engrais, etc. Donc leur interdire toute espèce de progrès et de développement. Pire que ça, ça les condamne à régresser. Voir leurs revenus baisser. A renda deles começa a baixar. Leur alimentation se réduire. L'alimentation deles se réduit. Et ça les condamne à l'exode agricole. Et au fin, muitos deles sont condamnés à l'exode agricole. Vers les bidonvilles de Dakar, direction de Bamako, de Abidjan, etc. Abidjan,
des pays d'Afrique du Sud, dans les favelas brésiliennes, etc. Alors, ils vont se réfugier, ceux qui ont un peu de chance, ils vont se réfugier dans des productions qui sont moins concurrencées, par exemple, production de petits légumes, de fruits, à la périphérie des villes. Surtout, vamos dizer assim, eles vão tentar então se inserir naquela produção de pequenas produções que tem um valor maior, alguns legumes, alguns tipos de frutas especiais. Mais même ça, aujourd'hui, ça commence à être très concurrencé par une production capitaliste délocalisée dans les pays à bas salaire. Mas eles, mesmo essas pequenas produções de refúgio que esses agricultores tinham, hoje começam a ser concorrentes, ter concorrência das produções em grande escala delocalizadas. Et on voit ces agricultures périurbaines de proximité. Aujourd'hui, concurrencées et en grande difficulté à cause des importations par avion de produits frais qui viennent des agricultures les plus compétitives. Donc, cette production refuge que ces agriculteurs étaient, elles sont cada vez tendo mais concorrência. Essa produção delocalizada que vem, chega de avião, né, de outras regiões do mundo, produzida em grande escala, com condições tecnológicas mais vantajosas, e colocando também esse tipo de agricultura de refúgio numa situação delicada. Alors, le résultat, c'est que vous avez aujourd'hui 3 milliards de personnes qui vivent avec des revenus de moins de 3 dollars par jour. Le résultat de cette situation, que vous avez aujourd'hui 3 millions de personnes qui vivent avec une renda de moins de 0,5 dollars. Et qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Qui n'ont pas tous les jours de quoi manger convenablement, on va dire, pour simplifier. Qui n'ont pas tous les jours de quoi manger de manière convenable. 2 milliards qui souffrent de maladies, de carences en fer, en iode, etc. Malnutrition, carences de fer, d'iode, de carotène, etc. Ou de protéines aussi. Ou de protéines. Et 850 millions qui souffrent d'une insuffisance en calories, moins de 2150 ou 2400 calories par jour. Millions qui s'alimentent, qui ont accès à moins de 2500 calories par jour. Pendant une bonne partie de l'année. Et 9 millions qui en meurent directement ou indirectement chaque année. Et dans ce total, vous avez 9 millions de personnes qui, tous les ans, meurent directement ou indirectement de cette situation. Et 70% de ces pauvres sous-alimentés et morts. Et 70% de ces pauvres, donc, sous-alimentés et morts, sont en fait des paysans. Sont, en réalité, camponais. Et les 20% qui restent, si je peux dire, ce sont des ex-paysans condamnés à l'exode dans les favelas des quatre coins du monde. Qui ne sont pas ces camponais qui passent fome dans leurs localités, sont en réalité des ex-camponais qui migrent dans les cidades, qui vivent dans les favelas, dans les grandes agglomérations. Et qui sont chômeurs ou salariés à 1 dollar par jour, même pas. Sont empregados ou sont salariés pour moins de 1 dollar par jour. Ok? Donc la pauvreté de masse, elle est paysanne. Donc la pauvreté de masse, la pauvreté massive que et la sous-alimentation aussi. Et la sous-alimentation aussi est camponaise, agriculteurs. Et cette pauvreté paysanne et cette sous-alimentation paysanne de masse se transforme par l'exode agricole en pauvreté périurbaine, etc. Et cette pauvreté des agriculteurs, cette difficulté des camponaises, elle se transforme, elle se retransforme. No êxodo rural, em agricultores périurbanos ou pessoas que vivem nas favelas e que passam fome, que vivem de maneira difícil. Alors, la conséquence macroéconomique de cette structure économique et sociale de l'agriculture. Então, a conséquência, hein? Então, dessa situação econômica e social, em termos globais, dessa. C'est qu'on a une pauvreté paysanne. Donc, a gente tem uma pobreza camponesa massive. Massive. Le chômage, les bas salaires. Tem uma pobreza camponesa massive, comme acabou de falar. C'est ce qu'on vient de dire. Mais autre conséquence, les bas prix agricoles internationaux, qui correspondent en fait au prix de revient
des 10% d'agriculteurs qui sont les plus compétitifs. Esses baixos preços da agricultura que correspondem ao custo de produção dos agricultores menos, mais competitivos, qui sont l'agriculture capitaliste délocalisée dans les pays à bas salaire. O preço internacional que é devido, que é baseado no custo de produção dessa agricultura capitalista delocalizada que ele acabou de falar, baseada na produção verde. Plus les agricultures familiales du Nord, qui ne sont pas compétitives. Mais as agriculturas familiares do Norte, dos países do Norte, que apresentou para vocês, qui n'en sont compétitives. Mais qui sont rendues compétitives par les aides, par les subventions, aux revenus, et qui leur permettent de vendre leurs produits à la moitié de leur coût de production. Et qui permettent donc qu'ils puissent vendre au produit de la moitié du coût de production d'eux. Ok. Donc la réduction du prix, tout ça, ça réduit en fait à l'échelle mondiale, dans tous les pays où le libre-échange agricole fonctionne, ça réduit le prix des matières premières agricoles très bas. Então isso hoje funciona, o livre comércio, você faz com que os preços das matérias-primas agrícolas se mantenham, sejam bastante baixos. Donc, en réalité, ça profite à qui? Na realidade, a quem aproveita dessa situação? Quem tira proveito dessa situação? Uniquement à l'agro-industrie transformatrice. Então, quem aproveita a situação é a agroindústria transformadora, né, de produtos agrícolas. Et à la grande distribution. E os grandes supermercados, as grandes redes de supermercados. Ça profite pas aux paysans du Nord. Não traz proveito aos camponeses, aos agricultores do Norte, que seriam déjà exclus s'ils n'étaient pas subventionnés, de qualquer maneira, que teriam sido já excluídos do sistema se eles não tivessem recebido as subvenções que eles recebem dos governos. Ça profite pas aux paysans du Sud, on a compris. Não traz proveito para os camponeses, agricultores dos países do Sul, a gente já entendeu. Au contraire, ça les appauvrit et ça les affame. Comme il mostrou, traz mais fome, traz mais pobreza. Mais ça permet, grâce au bas prix de la main-d'œuvre aux quatre coins du monde, então, grâce au preço baixo da mão de obra, toute la main-d'œuvre aux quatre coins du monde, et grâce au bas prix des matières premières agricoles, e graças ao baixo preço das matérias-primas agrícolas, ça permet de faire un maximum de bénéfices dans l'ensemble de l'économie. Então, permite que no conjunto da economia se faça mais lucro, se obtenha mais lucro. Non seulement l'agro-industrie et l'agro-distribution. Non seulement l'agro-industrie, les grandes agro-industries et la distribution de ces produits. Mais aussi toutes les industries du monde qui bénéficient des bas salaires partout. Mais toutes aquelles industries, tous aquels secteurs industriels du monde qui se bénéficient de cette situation de bas salaires dans le monde entier. Je vais dire des choses que je n'ai pas dites hier, parce qu'on n'a pas le temps. On n'avait pas de temps. Mais moi, j'ai participé à une mission Banque mondiale en 1986 à Haïti, no Haïti. Oui. Qui avait pour fonction de demander au gouvernement haïtien de supprimer toutes les taxes de protection, toutes les taxes douanières de protection aux importations de blé, de haricots, de soja, etc. Essa missão que participou chegou no Haiti e tinha como papel negociar com o governo do Haiti em 1986 a supressão de todas as taxas de importação, ou seja, retirar todas as taxas que impediam a importação a preço internacional. Pourquoi? Por quê? Parce que le prix du riz et le prix du blé étaient, et des haricots étaient deux fois plus chers en Haïti à cause des taxes douanières. Il y avait des taxes douanières d'à peu près 100%. Pourquoi isso? Porque o preço do feijão, o preço do arroz, o preço dos produtos agrícolas eram duas vezes mais caros no Haiti do que no mercado internacional, porque existiam taxas de 100% de proteção dos produtos agrícolas. Então, importar um produto agrícola pagava 100% de imposto. Comme en France à l'époque, comme au Sénégal à l'époque, comme en Suisse aujourd'hui, comme au Japon aujourd'hui. Des taxes de 100%, ce n'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire. Hein. Et pourquoi? Parce que les salaires en Haïti étaient de 2 dollars par jour. Et pourquoi isso? Porque na época, en 86, os salários no Haiti eram de 2 dollars par jour. Pour payer le riz deux fois plus cher, le pain deux fois plus cher, etc. Alors qu'à Saint-Domingue, qui est l'autre, c'est l'autre moitié de l'île, okay, et dans les autres îles des Caraïbes, les salaires étaient à 1 dollar par jour.
São Domingos e nas outras Ilhas das Caraíbas, o salário médio era de $1 por dia. Dans ces pays, il n'y avait pas de taxe douanière de protection contre les importations. Porque nesses outros países não existiam taxas de proteção de importação. Et la Banque mondiale avait, il faut bien comprendre aussi quel rôle jouait la Banque mondiale. Il disait, si vous supprimez vos protections douanières, numéro un, nous allons être très généreux dans les aides pour prolonger votre endettement. Se vocês forem generosos e reduzirem essas as taxas de importação, nós seremos muito generosos com vocês na negociação da dívida externa, com novos, por, novas taxas, por, mais amigáveis. Por re-echeloner la dette, on dit. Para rediscutir, renegociar a dívida externa da dívida em termos mais longos. En fait, c'était un plan d'ajustement structurel. Na verdade, é plano de ajustamento estrutural. Mais là, on voit bien que l'objectif du plan d'ajustement structurel, c'était de faire baisser le prix de la main-d'œuvre en Haïti. Okay. Et la Banque mondiale, j'appartenais à la mission. Hein. Alors, à la limite, j'étais chargé de dire ça. Ou plus exactement, de me taire. Quand la chef de mission, qui était une japonaise, qui s'appelait Madame Ono, tu cherches sur Internet, tu verras, elle était assez jolie encore, peut-être encore. Ouais, je suis sûr, c'était un grand expert international. Elle était aussi le porte-parole, c'est ça qui était très curieux. Et essa japonesa, elle était aussi le porte-parole du gouvernement américain. Responsable pela porte-parole. Porta-voce. Porta-voce. Porta-voce du gouvernement américain. Heureusement que je suis là pour parler. Non, mais allez. Non, donc, c'est parce qu'il y avait à l'époque ce qu'on appelait le plan Reagan. Porque vocês se lembram, na época existia o que chamava de plano Reagan. De délocalisation des industries automobiles américaines. De délocalisation, de novo a palavra voltando, das indústrias de carros, de veículos. Dans les pays à bas salaire des Caraïbes. Nos países de baixo salário das Caraíbas. Parce que l'industrie américaine souffrait de la concurrence japonaise. L'industrie automobilistique américaine souffrait beaucoup de la concurrence japonaise. Qui avait commencé, elle, à délocaliser en Asie du Sud-Est 10 ans avant. Que les Japonais commençaient à délocaliser leurs industries automobiles 10 ans avant l'Asie du Sud-Est. Et qui, grâce aux bénéfices de la délocalisation, avait par-dessus le marché automatiser la plupart des usines. Et grâce aux lucres qu'ils tiveram avec la délocalisation en Asie du Sud-Est, ils conseguiront investir dans la modernisation de leurs usines et conseguir moderniser à une velocité plus rapide que les usines américaines. Alors, délocaliser plus moderniser, ils avaient 10 ans d'avance sur l'automobile américaine. Ils tinham, les Japonais, 10 ans d'avance en relation aux Américains, à l'industrie automobile américaine. Alors, on se retrouve devant le ministre de l'économie et le ministre de l'Agriculture. Et Madame Ono expose le projet Banque mondiale Reagan. Très d'union. Banque mondiale Reagan, c'est la même unité d'action. Je vais parler en portugais, ça va aller plus vite. Ok. Et le ministre de l'économie, un Chicago boy de 35 ans, sortant de Harvard. Le ministre de l'économie de Haïti, donc un Chicago boy de 20 ans d'âge, s'est formé à Harvard. Il dit, mais c'est formidable, combien on va avoir d'emplois industriels. Il dit ainsi, c'est formidable, quantos emplois nous allons avoir dans l'industrie. Alors, Madame Ono dit 50 000, si ça marche bien, peut-être 100 000, peut-être plus même.
Parce que d'autres industries suivront. 50 000, si tout va bien, 100 000, si tout va très bien, 150 000 emplois. Ok. Et très bien, alors le ministre de l'économie dit « formidable, le Haïti va sortir du sous-développement, va s'industrialiser, etc. » Ok. Et le ministre de l'agriculture, il dit « oui, mais si le prix de la tonne de riz est divisé par deux chez les producteurs haïtiens, si le prix de... On appelle ça, je ne sais plus comment on appelle, la boîte de haricots est divisée par deux, etc. Il va y avoir 1 million de paysans haïtiens qui vont descendre des mornes dans le bidonville de Port-au-Prince. Mais logo après, le ministre de l'Agriculture levantou le dedo et dit: olha, peraí, si le prix du arroz, le prix dos agrícolas diminuit pela metade, nós vamos ter 1 million de camponeses que vont descer das montagnes et vont vir para as cidades na beira do mar. Moi, j'étais là parce que j'avais travaillé plusieurs années en Haïti, dans les régions, etc. Alors, le ministre de l'économie demande à moi et à mon coéquipier argentin. Le ministre de l'économie, pede para ele et un collègue argentino, qui era en Argentine. Qui lui voulait à tout prix agrandir les débouchés du latifundisme modernisé argentin, n'est-ce pas? Tinha como objetivo aumentar os mercados. Alors il demande à l'Argentin. Do latifúndio argentino, de produção da Argentina. Alors, mon collègue expert argentin dit: ben, formidable, nous, ça va nous permettre d'accroître nos débouchés, et nous, on va nourrir Haïti pour beaucoup moins cher. Et puis, ce collègue de l'Argentine dit: donc, c'est formidable, parce qu'ici, on va pouvoir acheter le marché pour nos produits agricoles argentinos, et nous allons pouvoir alimenter les Haïtiens. Pas de problème, on pourra nourrir Haïti. C'est beaucoup plus barato, et nous pouvons acheter un marché gigantesque pour nos produits. Et on me demande mon avis à moi, quand même. Et je dis, je pense que c'est le ministre de l'Agriculture qui a raison. Vous aurez beaucoup plus de chômeurs si vous baissez les prix agricoles que d'emplois créés, etc. Très bien. Résultat, bien sûr, le gouvernement haïtien a accepté le libre-échange agricole. Le résultat, c'est que le gouvernement d'Haïti aceitou, diminuiu as taxas de importação. Et deux ans après, c'était la guerre civile. Deux ans depois, vous étiez la guerre civile. Qui n'est pas finie encore. Et qui ne peut pas finir. Qui n'a pas terminé, non tem como terminar. Et évidemment, il n'y a pas eu d'usine Reagan. Et évidemment, vous savez, non existe nenhuma usine, indústria automobilística do Rio, qui s'installe en Haïti. Donc, ce mouvement du néo-capitalisme agraire délocalisé qui menacerait de ruine même les agricultures familiales américaines ou européennes, si les contribuables, si les contribuables français et américains ne payaient pas des subventions aux agriculteurs pour garder une certaine indépendance alimentaire, donc si les pays du Nord ne pagaient, les contribuables européens et américains ne pagaient mais caso ou mantiver as subvenções para manter essa agricultura deles, os países do norte existindo, funcionando. Mas eu não penso que faz isso para os... Não faz isso para os americanos e os europeus, faz isso para manter em produção a agroindustria amont, que fornece os intrants, localizada nos Estados Unidos e na Europa, enfim, não ainda totalmente deslocalizada. Ce n'est pas fait seulement pour faire plaisir aux agriculteurs, cette politique. Les gouvernements des pays du Nord maintiennent les subsides, non pas pour agrader aux agriculteurs, pour faire que les agriculteurs se maintiennent pour une raison ou une autre raison. Mais c'est fait aussi pour maintenir aux États-Unis et en Europe les usines qui fabriquent les engrais, qui fabriquent les machines, qui transforment les produits agricoles, etc. Si c'était seulement pour les agriculteurs, il n'y aurait pas de subvention. C'est uniquement pour l'agro-industrie territorialisée. Donc, il dit que ça existe des subsides en Europe pour maintenir cette agriculture, pour pouvoir maintenir cette agro-industrie
Et si cette agro-industrie se délocalise elle-même au Brésil ou en Asie, fornecimento de produtos agrícolas ou de insumos, ela se delocaliza ela também para o Brasil ou para a Argentina ou para outros países? Petit à petit, ils vont réduire les aides aux agriculteurs européens. Com certeza que vão reduzir os subsídios. C'est absolument certain. Mais en tout cas, on voit comment les plans d'ajustement structurel des années 1980. De qualquer maneira, a gente vê claramente como é que os planos qui ont été imposés à tous les pays pauvres surendettés. Todos os países pobres super endividados ont été l'instrument de destruction des politiques agricoles, de développement agricole qui existaient à l'époque de la révolution agricole et de la révolution verte, de destruction de ces politiques agricoles et de destruction des agricultures familiales et paysannes quand elles ne sont pas subventionnées, par un libre-échange qui est absolument impossible à supporter par les paysans du Sud. Même vos paysans ici au Brésil, ils ne peuvent pas résister à la concurrence des grandes entreprises capitalistes et salariées. Le libre commerce que les camponeses du Sud, les agriculteurs du Sud, n'ont pas comment supporter. Ou même dans le Brésil, nous avons nos agriculteurs familiales, les agriculteurs de menor taille, qui ont des grandes difficultés. De supporter ces conséquences, ces réflexes du libre commerce dans ces conditions. C'est encore possible à un paysan brésilien, en culture manuelle ou traction animale ou petite motorisation, c'est encore possible de faire des légumes, des fruits, etc. Mais je pense que c'est très difficile de faire du blé, du soja. Etc. De produire des légumes, algumas frutas, etc. C'est possible. Mas certamente é impossível um agricultor brasileiro que trabalha com as mãos, que não tem grandes equipamentos, produzir cereais, não tem mais essa possibilidade. Parce que ce qui appauvrit une partie de vos paysans, c'est pas seulement le fait qu'ils manquent de terre et qu'on ne veut pas leur en donner, qu'il n'y a pas de réforme agraire. A razão que está fazendo empobrecer nossos agricultores não é unicamente devido à falta da terra. Mas c'est aussi qu'il y a à l'intérieur même du pays une concurrence qui devient insupportable pour les petits et moyens paysans. No próprio Brasil, vocês têm uma concorrência dos agrícolas desleal entre essa grande agricultura e essa agricultura. Il y a ce que vous disent les sans terre, on veut de la terre. Então, o que a gente escuta e que os sem terra dizem para a gente quer a terra. Mais il y a aussi ce que vous disent le syndicat des exploitants agricoles petits et moyens, la CONTAG, qui vous dit non seulement on veut de la terre, mais on veut surtout des prix. Mas também vocês têm um discurso que a CONTAG, por exemplo, diz que eles dizem a gente quer também a terra, mas a gente também quer preços adequados. C'est-à-dire que le Brésil fonctionne à lui tout seul comme une espèce de microcosme. Então o que ele quer dizer, bastante interessante, é que se a gente olhar o Brasil, ele funciona na verdade como um micro-universo que reproduz um pouco que l'économie mondiale, elle ressemble à tous les visages de l'agriculture brésilienne. Então a agricultura mundial hoje, ela lembra grande parte do que acontece dentro do Brasil. Le Brésil a cet avantage structurel d'avoir toutes les espèces d'agriculture du monde réunies en un seul pays. O Brasil tem o que chama de uma vantagem estrutural de possuir dentro do seu território todos os tipos de agricultura que hoje no mundo estão. Donc toutes les contradictions, tous les emmerdements en un seul pays. Então a gente tem todas as contradições, todos os problemas num só país. Les emmerdements. Emmerdamiento. Deixa ela traduzir. Emmerdement. Todas as merdas do mundo. Emmerdamiento. Emmerdamiento. Não? On traduit como merdas. Ah, c'est pas pareil. Todas as merdas do mundo, bom, você entendeu? C'est un processus on a vu hier la discussion sur la réforme agraire là. La discussion ontem, les cerveaux brésiliens sont bloqués là. Ils disent que les brésiliens sont bloqués en relation à la réforme agraire. Ils sont bloqués comme la situation globale. Ils disent que nous sommes tellement bloqués en relation à la réforme agraire, les politiques de la réforme agraire, quant à la situation mondiale. Parce que les cerveaux, c'est aussi un microcosme. Ils disent aussi que notre cerveau est un type de microcosme. Bon. Alors, pourquoi c'est pas possible? Parce que, pourquoi le capitalisme global, ne peut pas continuer comme ça très très longtemps? Pourquoi le capitalisme global ne peut pas continuer ainsi beaucoup plus longtemps?
Parce qu'en fabriquant 3 milliards de pauvres... Fabricando, produzindo 3 milhões de pobres... Ça fait 3 milliards de gens qui ont un pouvoir d'achat à peu près nul. Ils peuvent même déjà pas se nourrir convenablement, mais ils peuvent pas s'habiller, ils peuvent pas se loger, ils peuvent pas s'instruire, ils peuvent pas acheter des biens durables quelconques. Donc l'ensemble de l'économie mondiale capitaliste est limité dans son développement utile par cette absence de pouvoir d'achat. Alors qu'on a vu que d'un autre côté, ça lui donne des capacités d'investissement gigantesques, parce qu'on gagne un argent fou à exploiter la main-d'œuvre chinoise à 2 dollars par jour. De l'autre côté, cette même pauvreté, da capacidade, da alimentos, você ganha muito dinheiro em cima dessa pobreza. C'est-à-dire, on a des... consegue ter pessoas trabalhando a 1 dólar, 2 dólares por dia. On a un capital financier comme jamais on a eu. A gente tem então capital financeiro num tamanho, numa potência como a gente nunca teve. Un capital investissable très supérieur aux possibilités d'investissement utile. Então a gente tem capital disponível para se investir muito superior às possibilidades de investimento úteis. Que são elles limitées par la pauvreté de masse. São limitadas, como eu acabei de dizer, por essa pobreza generalizada. Alors, qu'est-ce que font les gens qui ont tellement d'argent qu'ils peuvent difficilement l'investir dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les services, etc. Les pessoas, les investidores, qui ont tant de dinheiro qu'ils ne conseguem mais investir na agricultura, na indústria, nos serviços. Qu'est-ce qu'ils font depuis 25 ou 30 ans? Qu'est-ce qu'ils font depuis 25 ans, 30 ans? Ils essayent de s'emparer de tous les secteurs qui leur échappent. Ils tentent donc se approprier de tous aqueles setores productifs qui escapent d'eux. Ils vont privatiser la poste. Ils vont privatiser le courrier. Ils essayent dans tous les pays du monde de privatiser le service public postal. Ils tentent dans tous les pays du monde, si vous voulez, privatiser et pour la privatisation des services de courrier, des services postaux. C'est un espace d'investissement. É espace d'investissement pour eux. Ça ne produit rien de plus. Simplement, on prend la place du capital social public. Ils essayent de ruiner l'enseignement public obligatoire et gratuit en France, par exemple, pour développer un secteur d'enseignement privé. Ils essayent de ruiner le service public de santé, d'hospitalisation, etc., pour développer des investissements privés. Ok, ils essayent de ruiner les coopératives agricoles pour en faire des sociétés privées, etc. Et ils essayent de s'emparer du petit et moyen capital familial pour intégrer leur marché et leurs moyens de production dans, etc. Toute cette offensive idéologique et financière pour s'emparer de tout le capital social qui leur échappe. Toute cette offensive de ce capital financier de se approprier de tout ce capital, cette structure sociale qui existe. C'est la manifestation de l'excès de épargne investissable. Et ce sont des investissements inutiles. Ils sont investissements inutiles. Et on ne crée rien de plus, on s'empare juste d'un espace de bénéfices possible. Mais la médecine privée, l'enseignement privé, la poste privée, ça ne marche pas mieux que la poste publique. Enfin, nous, on constate même que chaque fois qu'il y a une privatisation... Non, on constate même, nous, chaque fois qu'il y a une privatisation d'un service public... Ça marche moins bien après. C'est très rare que ça s'améliore. Donc c'est ce que j'appelle les investissements inutiles, qui sont la manifestation, inutile ou déjà négatif même, et qui sont la manifestation de cet excès de capital. Essa manifestação da existência de excesso de capital volátil, que se investir, é o exemplo que busca nesses setores onde o investimento é inútil, porque não cria nada de novo. À la place du capital public ou coopératif,
sans aucune utilité. C'est juste. Aucune utilité. Mais c'est juste pour montrer qu'il y a bien un excès de capital. Mais ensuite, on va s'investir massivement dans les spéculations sur les matières premières, sur les monnaies, etc. C'est pas d'une utilité économique folle, hein. Et aussi, vous allez voir en suite, ces capitaux vont s'investir dans la spéculation des produits agricoles. Et même, on va pousser la spéculation, quelquefois, dans les bourses ou autre chose, dans les marchés immobiliers, tellement loin que ça devient absurde. Et ça fait une bulle spéculative qui, ensuite, quand elle explose, met en péril des secteurs entiers de l'économie. Donc, vous allez voir les mêmes situations où ce capital il va chercher secteurs, par exemple, le secteur immobilier, que nous avons vécu, hein, uma especulação imobiliária que depois quando explode ela pode colocar em risco setores inteiros da economia, por isso a situação do endividamento subprime nos Estados Unidos, né, do imobiliário. Faut qu'on avance, sinon. Oui, mais c'est important quand même. Mas je sais que c'est important. Mais c'est pas là. Ah, isso vai ser importante, eu sei que é importante. Sinon, on s'explique sur quoi, sur rien. Voilà. Donc les investissements inutiles, maintenant on en était aux investissements périlleux. Les bulles spéculatives, etc. Et ensuite, il y a les investissements. C'est que tu touches là, c'est le tableau, c'est le touche et le bouge. Ah bon, d'accord. Il y a les investissements. Enfin, faut non seulement pas toucher, mais il ne faut pas le regarder. Les investissements toxiques. Alors, l'investissement toxique, ça consiste très clairement à prêter du capital financier à des gens qui ne sont pas solvables. Donc, c'est qu'il y a un investissement toxique. Les subprimes, c'est ça. Comment s'appelait le président américain à l'époque? Bush. Non, avant. Avant Reagan. Non, avant, entre les deux. Clinton. Ah oui. Clinton, il a encouragé les services financiers en tout genre à prêter de l'argent à des gens insolvables. Prêter de l'argent à des gens dont on sait qu'ils ne peuvent pas rembourser. Qui n'ont pas été solvables, ou seja, emprestar dinheiro à personnes qui n'ont pas. Ok. Et ensuite, on a titrisé ça, on a transformé ça en titre, qu'on a vendu massivement à des banques, dont moi je croyais qu'elles étaient compétentes, les banques. Titres qui furent vendus massivement aux banques. Moi je croyais que les banques étaient compétentes. Non. Elles ont acheté des milliards de prêts non impossibles à récupérer. Et ces banques, donc, titularisées. Et alors, esses empréstimos se transformaram em grandes papéis que não tinham nenhuma possibilidade. Et le jour où le ça marche plus, bon ça explose et ça met en péril tout le système bancaire mondial. C'est les États, c'est-à-dire les contribuables qui doivent racheter les dettes des banques. Et aí que aconteceu com esses un remboursable. Os contribuintes que tiveram que comprar essas dívidas desses bancos. Et aujourd'hui, les États surendettés, comme les États-Unis, la France, l'Espagne, etc., ne peuvent pas rembourser leurs dettes. On est dans une situation de surendettement non remboursable. D'accord ? Alors, cette crise financière, dont on a déjà eu une manifestation, etc., même si les États ont réussi à peu près à rétablir l'équilibre, On a bien vu en 2009-2010 que ça provoquait aussi un blocage de la croissance, une crise économique qui n'est pas comme celle des années 30, mais qui la prochaine fois sera comme celle des années 30. Bon, sans parler de ses conséquences écologiques, sociales, morales, politiques. Ok ? Donc, ce qu'il faut faire comprendre, c'était la question que vous posiez, ou votre collègue posait hier soir, c'est évident que les milieux financiers, économiques et politiques dominant le monde, ils commencent à comprendre ça. Donc, la question qui se colocar est que, évidemment, les gouvernements politiques, les poderes politiques, ils commencent à entendre que ça a été fait, qu'il y a un problème. De la même manière que dans les années 30 et 1945, ils avaient à peu près compris et ils avaient fait des politiques nouvelles. Mais ce qu'ils n'ont peut-être pas compris, c'est que le cœur du problème, c'est le libre-échange agricole. La centralité du problème est la libre-troca des produits agricoles.
L'équilibre de l'emploi, donc la réduction du chômage, la réduction de la pauvreté, des salaires à peu près viables aux quatre coins du monde. Ça passe par des politiques agricoles qui ressemblent aux politiques agricoles qu'on a faites dans les années 50, 60, 70, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, en Inde, en Indonésie, etc. Et en 75, au lieu d'étendre le bénéfice de ces politiques qui ont réellement réussi à supprimer le chômage, supprimer la pauvreté, supprimer la faim dans les pays qui les ont appliqués. C'est les seules politiques qui ont jamais réussi à supprimer le chômage et la pauvreté et la faim. Hein. Il n'y a pas d'exemple historique autre. Ce qui prouve quelque chose que on peut dire, même si on n'est pas toujours envie de dire ça, que le capitalisme, quand il se donne la peine d'être bien géré, ça peut devenir un système à peu près vivable pour l'humanité. C'est ce qu'il fait quand le capitalisme, quand il busque s'organiser, il lève en compte ça, il peut être, de certaine manière, vivable et adéquat. Et aujourd'hui, comme on n'a pas de système social et politique de rechange, c'est dommage. Moi, je regrette qu'on n'en ait pas, mais pour l'instant, on n'en a pas. Alors, je pense que l'alternative politique à la dérive meurtrière à laquelle on est en train d'assister, c'est peut-être de revenir à des politiques capitalistes un peu humanitaires, un peu humanistes. Pour faire face à cette situation assassine. Oui, on tue. Assassine. C'est meurtrier, c'est clair. La seule référence qu'on a. Alors, la vraie question, c'est. Je pense qu'il est. Depuis 2007, 2008, 2009, la crise financière, crise envolée des prix agricoles, ils ont bien compris qu'il fallait changer de paradigme. Ils ont bien changé. Les personnes qui commandent les grandes décisions du monde, ils ont compris qu'ils ont dû changer quelque chose, ils ont dû être modifiés, ils ont dû être altérés quelque chose. Mais comme ils sont dans les mains d'économistes généralistes ultra-libéraux, mais comme ils sont dans les mains, ils sont dominés, qui ne connaissent rien aux. Travaillent avec des économistes néolibéraux généralistes. C'est l'idéologie dominante des économistes. De toutes les organisations internationales. L'idéologie dominante de tous les économistes des institutions internationales. C'est l'idéologie des conseillers de tous les présidents de la République ou de tous les chefs de gouvernement du monde. L'idéologie prédominante de tous les conseillers. C'est comme ça aujourd'hui. Et assesseurs des présidents du monde entier. Alors ils comprennent bien qu'il faut prendre, modifier le. Il faut revenir sur l'ultra-libéralisation du secteur financier, ça ils ont compris. Ils sont d'accord qu'il y a plus hein? Ils ont bien compris. Ils ont bien compris qu'il fallait un peu freiner la délocalisation et l'alignement sur les plus bas prix mondiaux dans les domaines industriels. Mais ils connaissent rien à l'économie agricole. Ça, j'en ai vu des dizaines, ils savent rien. Ils pensent que c'est comme les fabriques de chapeaux ou de caleçons. Ou... Ils croient que c'est la même chose. Et donc ils ne savent pas à quel point la libéralisation du secteur agricole, c'est la grande erreur de la mondialisation. C'est ça qui va faire échouer leur mondialisation. Et donc c'est vous qui connaissez un peu l'agriculteur, et Duda, qui connaît un peu aussi, et quelques autres. C'est vous qui devez comprendre ça, expliquer ça. Sinon, on va peut-être changer de politique générale, mais si on ne change pas fondamentalement ce qui se passe dans le secteur agricole,
ça échouera encore une fois. Mudar a política general, mas se a gente não mudar voilà. O que acontece no setor agrícola, nada vai acontecer, nada vai mudar de cenário. Voilà. Voilà ce que j'aurais dû dire hier soir. Eu queria ter dito ontem de noite, não consegui. Ils auraient été plus contents. Ça va? Bon, j'ai vu que ça vous intéressait un peu. pas trop, mais non, un peu. Ok. Bon, j'ai pas été trop long. Pour un Brésilien, c'est beaucoup quand même. C'est bien. On a encore 2 heures maintenant. On peut regarder des choses qu'on n'a pas vues hier, si vous voulez. Il dit que vous pouvez retomber algumas questões que a gente não viu ontem, se vous voulez. Oui, mais je les laisse parler. Je peux. Je cherche quelque chose à cacher. Voilà, parfait. Oui. En français. Non, só para duas questões que se colocam, né? Vou poser da questão. Uma problematização sobre a questão ambiental. E, junto com esse avanço, né, da agricultura no Sul, uma visão muito capitalista, daí houve uma destruição. E você fala um pouco da questão do environnement? Oui. Que é proche, é collé avec. Oui, tout à fait. Oui. Sud, tout à fait. Talvez seja mais pesada para o planeta do que a própria questão econômica. Il dit que peut-être le problème de l'environnement est aussi difficile, aussi lourd que les problèmes économiques. Tout à fait. Et mais... une vision, disons, que le Brésil, avec le potentiel, né, de représenter un grand espace pour l'ampliation de cette vision de agriculture capitaliste, né, nous, no Brésil, nous estamos encontrando, né, conditions de lutter. Et aí, la question de la résistance de l'agriculture. Camponesa, vamos falar assim, em relação a. E pode dizer que no Brasil, a gente tem a la possibilidade de imposer um outro modelo de agricultura baseado, fundado sobre les. Porque o Brasil. Sobre a agricultura paisana, sobre a agricultura familiar. No Brasil se vê uma situação onde o Brasil ainda tem muito a ganhar com uma visão capitalista, mas muito realmente a prejudicar. Os camponeses e a visão que eu tenho no Brasil, c'est encore. On a plus à gagner avec une agriculture capitaliste qu'avec une agriculture paysanne. Qui a le plus à gagner? Non, en général. Mais qui? Ça n'existe pas en général. Les qui? Les grandes multinationales sont venues au Brasil. Oui, ils sont contrôlant. Est-ce que c'est l'intérêt du Brésil? Ils sont intéressés du Brésil? Bon. Isso que eu quero que ele... Você sabe o que tu fala? Bom. A gente faz uma segunda, uma deuxième, ou tu vas responder? Se si on veut, se si quelqu'un veut dire quelque chose. On peut noter une deuxième question. Voilà, j'ai deux questions. Yes. Et, la première, je peux traduire après. Après, oui. Donc, la première, c'est voilà, ce modèle d'agriculture et d'économie générale. Est soutenu par le pétrole pas cher. Oui. Mais on voit, enfin, il y a plein d'analyses et des études qui parlent de la crise du pétrole aussi. Bien sûr, bien sûr. Et on aurait déjà dépassé la limite du pétrole pas cher. Donc. On rentre dans du pétrole un peu plus cher. Oui, voilà. Mais qu'est-ce qui va arriver dans ce modèle d'agriculture qui est fortement soutenu par ce modèle, tant pour les agrotoxiques, pour le transport. Tout à fait. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Parce que c'est, enfin, moi, je ne vois pas trop parler de ça. Et normalement, dans les exposés sur l'agriculture, on ne parle pas du pétrole. Je crois que c'est fondamental. Tout à fait. Et l'autre question, c'est de centrer dans le petit agriculteur qui, par exemple, en Espagne, en France, j'ai l'impression
appliquer ça à sa production. Donc, par exemple, pour des autres secteurs comme le tourisme. Et si ça, ça pourrait pas être un niche de marché pour les producteurs aussi au Brésil. Ok. Bon, c'est deux questions qui sont un peu liées. Je vais seulement traduire mes questions pour mes collègues. Entonces, la primera pregunta que hice sobre el petróleo, porque creo que el modelo de agricultura es fuertemente basado en el petróleo barato, pero tengo muchos estudios que dicen que a gente ya pasó el pico del petróleo, está tratando de crisis del petróleo. Entonces, la agricultura está muy baseada en los insumos baratos, en los insumos baratos. ¿Cómo y la otra pregunta que hiciste sobre la agricultura familiar, si ella no podría echarse un nicho de mercado, como está aconteciendo en España, en la frase, por ejemplo, tengo la impresión que está aconteciendo eso. Entonces, sí, focando en producciones de cualidad, ça bouge plus, de cantidad y en cuestiones de turismo. ¿Yo puedo pas aller plus loin? Mais ça marche pas. Tu veux faire des. Mais ça défile pas, là. Ah. Ouais, ça va, je veux ça. Ok. Bon, c'est clair que.